Je suis Lisa Sarkis, je suis auteur jeunesse et je suis aussi artiste peintre. Et là, je vais vous parler de La Mange Maison, c'est le livre que je viens d'écrire. La Mange Maison, c'est l'histoire d'un univers entre Tim Burton et Alice au Pays des Merveilles. On rentre à l'intérieur, on a un petit peu peur parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Et en fait, c'est un monde merveilleux qui vous y attend. Voilà. Donc, avec des girafes volantes, il y a un quick avec trois pattes qui vous y attend aussi. Enfin, plein de personnages. Quand j'étais enfant, les livres, c'était vraiment une référence pour moi. J'essayais de trouver des réponses quand j'étais enfant. Et je pense qu'il y a, pour tout le monde, un livre enfant peut marquer pour la vie future. Je trouvais intéressant d'apporter avec mon livre une vision positive de l'inconnu. Effectivement, on rentre dans cette maison, elle est un petit peu effrayante, mais au bout, il y a quelque chose de joli. Et je pense que c'est une belle image à transmettre pour les enfants, pour qu'ils n'aient pas peur de l'inconnu, et qu'ils soient curieux de tout et qu'ils osent. Ils viennent de là. Ils viennent de là. C'est des personnages que j'aurais aimé peut-être lire quand j'étais enfant. Des personnages très décalés, pleins de fantaisie. Oui, c'est vraiment des personnages que j'aurais aimé découvrir quand j'étais petite, dans des livres que je lisais. Ouais. J'ai essayé de faire au mieux, de faire les dessins au plus proche de ce que je les imaginais. Après, pour les prochains livres, j'ai fait appel à une illustratrice qui, elle, sait mieux mettre en image mais les images que j'ai dans la tête. Effectivement, c'est vrai qu'on a, c'est un monde qui est inquiétant avant d'y rentrer. Un père a disparu, la sœur a disparu, et ils vont à la recherche en fait en rentrant dans cette maison. Donc oui, effectivement, il y a la dureté au départ. Mais quand on rentre dans cette maison, ben justement, le contraste est là. On rentre dans un monde Walt Disney où tout va bien, il n'y a que des personnages jolis, un tapis en peluche rose, voilà. Donc je ne vais pas jusqu'au bout de la dureté de ces fameux contes allemands, mais c'est vrai que ça s'en inspire au départ. C'est vraiment des contes. Voilà, c'est vraiment un conte. La maison, pour moi, symbolise un endroit idéal où il n'y a pas d'ennui, où il n'y a pas de violence, où tous les enfants sont heureux. Le temps, d'ailleurs, ne compte pas, coule différemment qu'ailleurs. Oui, un monde très enfantin, justement, oui, où on ne voit qu'une vision légère et positive des choses. Oui, très fantaisie. Oui. Donc, Le Monde à l'envers qui va bientôt sortir, c'est vraiment un univers que j'avais envie de faire partager aussi. C'est peut-être une vision moins Walt Disney, justement, que La Mange Maison. Au départ, c'est l'histoire d'une petite chauve-souris qui se fait maltraiter ici, tout le monde a peur d'elle. Et par l'intermédiaire d'un miroir magique, va rentrer dans un monde où c'est le monde à l'envers. Donc vraiment, tout est inversé. Là-bas, les chauves-souris sont des animaux de compagnie. Ce qui est beau ici est vilain chez eux. Et de la même façon, et inversement, c'est-à-dire que les amoureux, par exemple, ne sortent pas des fleurs, non. Ils sortent des épluchures de patates pourries. Et voilà, tout est dans cet esprit-là. Donc c'est pareil, un univers très décalé. Pareil, une vision positive des choses, ça se finit forcément bien. Pour moi, un conte pour enfants ne veut pas mal se finir, forcément. Toujours transmettre une image positive, en fait, de l'inconnu, encore une fois, de ce qui va arriver après. Ouais. Ce qui m'a menée à l'écriture, au départ, c'est... j'ai une amie, qui s'appelle Laure, et c'est grâce à elle que j'ai osé commencer vraiment à me dire, tiens, je vais peut-être écrire, je vais peut-être partager ça. Tous les soirs, on a un jeu avec mon fils. C'est, on prend un mot et j'invente une histoire à partir de là. Et ça me vient très facilement. On prend le mot main, zèbre, peu importe, et l'histoire vient. Et le lendemain, je racontais ça à mon amie, à ma copine, qui a trois enfants, elle aussi. Et le soir, elle le racontait à ses enfants. Et un jour, elle m'a dit, mais mets-le sur un livre, parce que vraiment, c'est vraiment génial et ça plaît et je pense que ça va plaire à d'autres. Voilà. Donc tout ça a démarré en fait grâce à Laure aussi, grâce à mon amie. Je recherche dans l'écriture le plaisir de partager, d'une nature joyeuse et un jouet, j'aime partager ça. Donc par l'écriture forcément avec les enfants et par la peinture aussi, puisque je vais bientôt exposer au Grand Palais une peinture pareille, très colorée, très joyeuse. Oui, ce plaisir-là de partager ma nature, tout simplement. Incorrigible gourmande, donc forcément plein de bonbons à côté et de la musique rythmée à côté aussi. Ouais. J'ai besoin d'un environnement gay autour de moi pour rester dans cet état d'esprit, pour bien écrire. Ouais. Parce qu'on n'est pas tout le temps un zébulon non plus, quoi. Donc forcément, ça aide à se mettre en condition pour transmettre ça. Voilà.
je suis quand même pas tout le temps une pile qui rigole sans arrêt. Donc c'est vrai que ça aide à se mettre dans l'ambiance. Voilà. J'ai eu la chance de travailler pour Disney. J'ai travaillé en fait pour des jeux électroniques. Ils font des produits dérivés, vous savez, chaque fois qu'un film sort. Et j'ai eu la chance d'écrire plusieurs histoires pour un jeu électronique. Donc ça a été une expérience fabuleuse. J'ai pu donc écrire les textes en anglais. Et c'est vrai que c'était vraiment très intéressant. J'ai reçu le scénario original en fait de ce film-là, qui c'était Cars 2. Le scénario était confidentiel parce qu'à l'époque, il n'était pas encore sorti en France. Donc il a fallu traduire le manu et après travailler dessus, faire plusieurs histoires là-dessus. C'était une très belle expérience, vraiment, vraiment. Alors peut-être aussi qu'une seule fois, mais j'étais ravie de le faire. Alors les petits et les grands, forcément, puisqu'il y a des grands aussi. Je pense qu'il faut donner le plaisir des mots et des livres aux enfants. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Internet, c'est très bien, les jeux vidéo, c'est super, mais en même temps, les livres, ça, rien ne remplace. Il y a un vrai plaisir de transmission avec les livres. Je pense qu'il faut préserver ça. Il faut absolument donner aux enfants ce goût de lire et d'écrire aussi. Voilà, donc un mot, ben, soyez curieux et donnez ce plaisir de chercher et de découvrir.